Non, on va même pas pouvoir accéder aux cartes de Ray. Génial. Là, on peut pas y aller, en fait. Pourquoi j'ai ouvert cette porte? Je sais même pas pourquoi j'ouvre les portes. Sens-moi ce parfum. Mais je veux pas de ta merde, en fait. Une sacrée affaire. Bon, tiens, je loupe une sacrée affaire, mais n'importe quoi, ici. Il fout, je loupe rien du tout, et t'es avec ton bois, la con, là. Allez, c'est bien, on s'est fait 400 dragées. Enfin, 200 dragées de plus. Bah là, on est pété de thunas, on en a combien? 1758. Eh bah là, le balai, on peut l'acheter. L'armure, on peut l'acheter. On peut tout acheter. On peut tout acheter dans la vie, de façon, l'argent, c'est la vie, l'argent, c'est le bonheur. N'écoutez pas ce que je dis, c'est une blague. Toi, là, Donc non, toi tu vendais de la merde, je crois, non? Ouais, si tu vendais de la merde, toi. Toi, on va pas aller te voir. Toi, par contre, toi, t'as l'air d'être bien, toi. Hey! Je n'ai rien à échanger pour le moment. Comment ça, tu n'as rien à me vendre? T'aurais pas un petit dragé, là, qui traîne dans ta poche? Un truc comme ça, juste, je me contenterais de ça, hein. Ouais, non, toujours pas, t'es sûr, hein? Je n'ai rien à échanger pour le moment. Ouais, ok. Viens voir plus tard, ouais, quand bien. J'aurai réapprovisionné. J'ai tenté. Peut-être on pouvait négocier. Et être le premier à apprendre le sortilège. Comme par hasard. Comme par hasard, c'est moi qui dois être le premier à faire ça. C'est pas de ma faute si le professeur, à chaque fois, il me choisit son premier pour que j'apprenne les sorts. Moi, j'ai pas forcément envie. Moi, je voulais à la base sécher le cours. D'accord, professeur. Merci, professeur. Ça marche. Une vigne ou plante grimpante peuvent recouvrir... Ah bah, c'est ce qu'on a vu, justement... Lancer un... Juste avant que je ne pouvais pas, justement, casser. Ok, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à activer? Là, j'ai vu des petites poutres, là. Non, ici, rien. Ok, c'est parti. Bam. Crack badaboum. Putain, c'est tellement ridicule. Je vous jure, vraiment, c'est ridicule, je trouve. Parce que moi, j'ai toujours joué à la version anglaise, à la base, et j'ai fait exprès de me procurer la version française. C'est une honte. Crack badaboum. Oh là là, c'est tellement impressionnant. Allez, hop, Lupendo ici. Voilà, les petits dragées. Tranquille. Évidemment, l'œil de lynx. 11 passages secrets. Ah oui, c'est pas 7, hein. Ah oui, ça va être... c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose, hein. Parce que 11 passages secrets, c'est beaucoup, quand même. Boum. Et boum. Ok. Là, il faut mettre une limace. Hein, ça tombe bien. Viens là. Bam. Ok. Allez, hop. On va voir là-dedans. Si j'y suis. C'est parfait. Ok, ça ouvre les petites barres là-bas. Et alors, j'ai une question parce que j'ai vu là en parlant pendant la cinématique. Ah bah oui, hein, c'était sûr. Hop, voilà, excusez-moi, je me gratte l'œil. Toi, tu t'arrêtes. Et là, qu'est-ce que ça fait, ça? Allez, hop, le petit passage secret. Il y en a quand même 11, hein. Vous allez voir, il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, on peut le casser. Le petit passage de plus. La petite carte argentée. Allez, ça, ça fait plaisir. Tiens, toi, tu te bouges le cul. Tu t'arrêtes. Là au-dessus, il y a quoi? On peut pas voir ce qu'il y a au-dessus? On peut y aller ou pas? Attendez, non, on peut pas y aller, dommage. Tiens, prends-toi ça, un coup gratuit, toi, viens ici, bam, mince. Tac, tac, et allez, hop. La martyrisation des limaces. Ah mince, c'est une double, j'avais pas vu. Allez. Voilà, tiens, hop, là-dedans. Allez, ouvre-moi la porte, nickel. On récupère les petits bragés surprises, les petits bragés, oula. Bouge pas, arrête. Rentre là-dedans. Le sortilège de Crack Badaboum. Peut aussi rompre des cordes pour libérer des objets. Nice. Ok, ok. Alors, est-ce que là, il y a un passage secret? Non. Dommage. Crack Badaboum. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah, c'est les pustules. Les pustules de tout à l'heure. Les champignons. De gaz toxique. Harry, évitez-les ou lancez un crack badaboum pour couper leur queue. Lancez un crack badaboum. Pardon. Pour couper leur queue. Ok. Ah, il y a un truc en dessous. Ah bah, il est là, lui. Non. Ah, quand il les mange, il donne des dragées. Ah, trop bien. Allez, mange les dragées, c'est bien, t'as raison. Ah, c'est cool, ça. On va aller voir là-bas, en fait. Alors, là, ici, il y a un truc. Alors, le coffre. Là-bas, il y a un dragé. Ah bah. Cette fois-ci, tu m'as pas trop surpris, espèce d'enfoiré. Voilà, tiens, prends-toi ça. Bah, ça a compté comme un passage secret. 3 sur 11. Bah, du coup, ok. Et c'est pif ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, toi. Bam. Voilà. Mince, non, tombez pas tout en bas, sinon je vais devoir aller tout en bas. Voilà, je chope le gnome, et boum, on le balance par-dessus la troisième corde. En parlant de corde, hop, la première petite corde. D'accord.
crac, badaboum. Et la deuxième petite corde. Regardez l'intelligence que je suis. Ah, mais oui. Je me suis mis dessus direct. Mais oui, 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 je suis trop fort. Ok, on arrive là. Crac, badaboum. Franchement, c'est ridicule. La version anglaise, je sais plus comment on dit, mais c'est pas du tout ça. Et puis, c'est pas du tout la même intonation. Comme quoi, la version originale, franchement, souvent, c'est beaucoup mieux. Enfin, les versions françaises, étaient souvent, elles sont vraiment très, très mal amenées, je trouve. Tiens, prends-toi ça. Toi, tu prends ça. Là, il y a de la morve. Là, il y a un coffre. Oula. La petite cacarte. On va récupérer les petits dragées. Ah, c'est pas fini encore. Ok. Encore ? Ah oui, c'est bien, c'est sympa, tu régales. Allez, dégage-toi. Ok. Ah, je peux plus passer, évidemment. C'est une trop grosse limace. Crac badaboum ! Ok, ça, faut le mettre là-dedans, je suppose. Voilà, ça ouvre, ouais, ça ouvre la porte, hein, c'est logique. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on voit pas ? Non. Et là, ici, il y a rien. De toute façon, je vais courir avec la visée comme ça, hein, juste pour trouver les passages secrets. Hein. Allez, donne-moi des sous. Ah, toi aussi, tiens. Boum. Ok, que deux fois. Radin. Ah bah c'est les trucs qu'on avait avant. Sauf que d'avant on devait utiliser du... Diffindo dessus. Non, Incendio. On utilisait du Incendio dessus dans le premier épisode. Alors que là dans le deuxième... Oh merde. Dans le deuxième on utilise du Crac Badaboum. Même, vous voyez, même Incendio c'est déjà plus logique. Parce que ça, Incendio, vous enflammez la plante. En bas y'a rien. Ouais, y'a rien. Hop là. Ok. Par ici. Boum. Ok, donc ça ouvre les portes, logique. De l'autre côté, Diffindo. Crac badaboum. Ah, j'ai Diffindo, mais... Ah bah voilà, c'est fait. Diffindo. Voilà, en anglais, c'est Diffindo, je crois. Oula. D'accord. C'est pour ça, ça me rappelle... Ça, c'est Diffindo en anglais, en fait. Le... Comment on dit, le sort. Ça se tape aussi, ça, ouais. Alors que là, crac badaboum. Bon, un peu bizarre. Ça s'ouvre ou pas, non? Oh, c'est drôle ce truc là. C'est le petit arrosoir qui nous donne à l'infini des dragées. Boum, peut rompre d'autres choses, Harry. Lancez-le sur cette toile d'araignée, par exemple. D'accord. Ok. Excellent ça. Ouais. Oh, il y avait une araignée suicidaire. Excellent ça. Là ça s'ouvre pas. Oula. D'accord. Les araignées, le lumos. Le lumos. Est-ce qu'on en a besoin? On va l'activer par réflexe. On va peut-être trouver quelque chose d'intéressant plus loin. Vaut mieux toujours activer un lumos, évidemment. Il y a un truc juste là, je le vois. Je le vois d'ici. La petite étoile. Allez, bim, on a bien fait d'activer le lumos, du coup, je l'avais dit. Je le sentais, je le sentais, je le sentais. Ah bah là aussi. Là aussi, c'est un... Et là au-dessus, c'est quoi? Ah bah. Qu'est-ce que ça fait? Ah mais oui, c'est le trou qu'on a vu. Ok, attendez. Donc là, il y a une carte, merci Bibi. Enfin, merci mon pote, parce que Bibi, c'est moi. Et donc là, il y a le on peut pousser le truc, justement. Bon, on va réactiver le Lumos au cas où. Et là, il y a ça qu'on peut pousser dedans. Ça fait ça. Ah, d'accord. Et cette fois-ci, cette porte-là ne s'ouvrait pas avec un halo Mora, mais il fallait utiliser ce bloc-là. Ok. La petite carte argentée. Eh oui, une de plus. On a 6 passages sur 11, on est trop fort. Allez, le petit Lumos, on l'a toujours d'activer, ça c'est cool. Ça va nous permettre peut-être de retrouver un autre passage secret. Prends-toi ça. Le petit vase. Ectoplasmus, tiens, toi, tu peux. Regardez comment je... Regardez le skill. Regardez le skill. Je vous dis, j'ai du skill. Je suis un malade, moi. Je suis un grand malade. Rectus Empra. En fait, tu sers à rien, toi. Alors, on va là. Ensuite, par ici. Oula. Je crois qu'on l'a agressé.
Raté. Oula. Il m'a fait peur. Je me foutais de sa gueule, mais j'ai failli me foirer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je suppose qu'on est censé faire ça. Ah ouais, c'est ça. On est tombé. Ça y est, on est tombé. On est tout en bas. Très bien. Ah, mais combien d'étoiles, en fait? Étoile, étoile, étoile... 8 sur 4, 14. Punaise, c'est énorme, 14. C'est énorme, 14 étoiles. Est-ce que ça bougeait ou pas, ce truc-là? Oui, ça bougeait, en plus. Et moi, je traverse comme ça, en mode, bon, tout va bien, on bat les couilles. Ok. Un dragé? Sérieusement? D'accord. Est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a des gnomes à libérer. Ok, c'est bon. Parce que comme ça, au moins, ils vont pouvoir me donner des dragées. Il sort ou pas? Il sort ou pas? Ouais, il sort. Et lui, pourquoi ils se relèvent pas, eux? Bah lui... Bah... Je comprends pas, là. Je comprends pas. Bah, je comprends pas. Ah si, ça y est, il s'est relevé. Punaise, je me suis dit, quand même. Ouais, comme ça, ça me fera des dragées gratuits, regardez. Regardez le gnome travailler pour nous. C'est bien, ramasse-moi tous ces petits dragées, mon pote, mais oui. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est les araignées qui nous grimpent dessus. Ah, les saletés. Ouais, c'est bon. On va boire un petit coup en attendant qu'il travaille. C'est bien, mon petit gnome travaille. Non, non, ils sont juste là, les champignons. Vas-y, vas-y. C'est bien, il en reste combien, là? Il en reste encore quelques-uns, là. Oui, il ramasse les... On va peut-être pas trop l'agresser, sinon il va nous mordre. Ah, non, c'est bon. Il va peut-être vouloir les choper à un moment donné, non? On va voir ça, hein. De toute façon, si on le tape, il va nous donner blindé, le pote, là. Allez, va voir les champignons. D'accord, il a pas trop envie, je crois. Allez, tiens, prends-toi ça, vas-y, donne-moi tous les dragées. C'est bien, t'as bien travaillé. Allez, maintenant, retourne te coucher, là, mon pote. Allez, hop, dégage. Le non-respect. Comment qu'on fait? Comment on fait? Y'a un problème là, non? À moins qu'on puisse faire ça? Ah bah non, oui, y avait aucun problème. Oula! Boum. Aïe. Sa morsure est très dangereuse. D'accord. Vous pouvez utiliser le crack, la grenouille! Allez, tiens, prends-toi ça. Voilà, nickel. Le petit coffre. Des mecs qui nous... Oula! Les mecs qui nous bralancent des brindilles. Vous avez entendu? C'est quoi ces enfoirés encore? J'arrive mes potes, j'arrive. C'est quoi ces trucs? Je les vois même pas en fait. C'est quoi qui fait ce bruit là en fait? Bon, déjà j'arrive, hein. Je m'occupe de vous. Allez, la petite étoile. Le petit Diffindo. Ah, on peut aller au-dessus là. Ah oui, c'est ce truc-là. C'est quoi ce truc-là? Je vais là parce que j'ai l'impression que ce truc-là peut s'ouvrir. Allez, c'était sûr. L'intelligence, joueur. L'œil de lynx, on m'appelle. L'œil de lynx et intelligence. Allez, hop. Paf. La petite morve. On arrive à la dernière... Ah, enfin, la dernière étoile. Non, on est à combien? Je sais même plus à combien d'étoiles on est, là. 10 sur 14, ok, plus que 4. La petite cacarte. Combien on en a d'ailleurs pour avoir la clé? Encore 4 pour avoir une clé, ok. Et il nous en faut encore 24 pour avoir les 3 clés qui restent. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Et combien il nous faut pour la santé encore? 7, ok. Sachant qu'il y en a peut-être une ou deux qu'on a raté parce qu'on n'a pas eu tous les passages secrets. Hein. Surtout dans le truc de Professeur Rogue, là. Surtout ça qui m'inquiète. Alors, toi tu veux te battre, c'est ça? Tiens, prends-toi ça. Ça on peut s'en servir, hein. Ouais, c'est ça. Alors, donc ça, il y a du bois. Ah, ok, quand on les tue, ils nous donnent du bois. J'adore ça. Allez, la petite truc, là. Bon, pas. Ouais. Alors, ensuite, on fait ça. Par ici. Parfait. Ah, il est là, lui. J'arrive, je m'occupe de toi. Tiens, prends-toi de toi.
Hop. Salaud. Boum. Il m'a balancé, il balance vraiment des brindilles dans la tête, quoi. En fait, il nous balance des bouts de bois qu'on récupère lorsqu'on les tue. Excellent, ça. Pourquoi ils ont pas donné de bois? Oh, l'arnaque, hein. Je croyais qu'ils en donneraient encore une fois. Mais ils ont même pas donné. Moi, je suis deg. Ok, là, il faut lui mettre limace. Allez, viens là, toi. La petite limace. Bam, ça, c'est fait, direct. On va tuer un truc là-dedans. D'accord, ça ouvre ici. Je suppose que de l'autre côté, il faut faire pareil. Ok, c'est bon, esquiver. Viens là, toi. C'est bon, tranquille. Là, ça, là, je pense qu'il y a moyen d'interagir avec ça, peut-être. Enfin, je pense, hein, on va voir. Voilà, c'est bon. Si on casse ça... Ah oui, là aussi. Attendez. Non, il n'y a pas moyen. Est-ce que... Non, il n'y a pas moyen. Dommage. Ah, par contre, j'avais pas vu. Là, il y avait un petit truc caché, là. Oh, tu te tais. Voilà. Donc, 3 et 2. On a 2 bois et 3 mucus. Bon, bah, je pensais qu'on pouvait interagir avec ces trucs-là, mais pas du tout. C'est dommage. Ah, ah bah si, par contre, celui-là, on peut. Ah bah oui, on peut. Allez, hop, une étoile de plus. Hein, mais oui. Hein. Ça, c'est fait. 12... non, 11 sur 14. Allez, plus que 3. Allez, le mucus. Le lumos. Je sais pas pourquoi, mais... Ok, derrière, il y a quelque chose ou pas? Non, dommage. Alors, le petit crack badaboum par là. Le crack petit crack badaboum par-ci. Alors, toi, tu meurs. Donne-moi tes entrailles, hein, c'est le cas de le dire. Et le lumos. Lumos, toujours pas. Non, toujours pas de lumos. Bah, le lumos. Hein. Attendez, il y a un problème. Il y a un problème. J'ai pas vu le lumos. Le lumos, il a bien servi à quelque chose quand même, non? Il doit bien servir à quelque chose, parce qu'on n'a pas vu. Lumos, à quoi tu nous sers? Pourquoi il nous sert le lumos en fait? Il y a un truc que je vois pas. Non? Il y a un truc que je dois pas voir. Non, pas du tout, pas ici. Pourquoi il sert ce lumos? Non, c'est pas là. Mais il sert absolument à rien, ce lumos. C'est bizarre, ça. Non? On est d'accord que c'est bizarre ou pas? C'est vraiment très bizarre. Hein. Bah, tant pis. Hein. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Pas grand-chose. Est-ce qu'en dessous, il y a quelque chose? Non? Oui, servait ce lumos. C'est bizarre. Ok, là, c'est des trucs dégueulasses. Allez, boum, jump shoot. Allez, la petite cacarte encore. Il nous en manque 6. Très bien. On a trouvé 9 sur 11 passages secrets. Et un boum, boum, et boum. Aïe. Oula. Ne me touche pas. Ok. Par ici. Par ici. Ok, encore un passage là. Plus que 1. La petite cacarte encore, nickel. Paf. Elle n'est plus qu'un seul passage, les gens. Alors, c'est pas ici, c'est dommage. Y'a là. Grenouille. Pas là non plus. Et toi, tu te tais, le lumos. Oh! Ok. D'accord. Ah oui, on est au-dessus de ce truc, en fait. Oula. D'accord. Toi, viens là. Voilà, nickel. Allez, là-dedans. Parfait. Est-ce que c'est ouvert derrière nous ou pas? C'est ça la question. Non, dommage.
Là, il y a un truc. Alors, il y a quoi ici? D'accord, il faut une limace, mais la seule limace qu'on avait, elle est là. C'est dommage, ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y en a trois. Oui, d'accord. Donc, en fait, là, on doit en mettre deux ici. Ça, c'est tranquille. Allez, hop. Et il y a celle-ci qui va, du coup, nous servir à activer le truc là-bas. Et c'était le dernier passage secret. Ça y est, on a les 11. Bon, bah là, au moins, on n'a rien raté. Ça, c'est bien. L'épreuve d'avant non plus, mais la toute première épreuve, on a raté un passage secret. J'espère vraiment que c'est pas une carte. Enfin, dans tous les cas, on va devoir le faire si jamais on veut récupérer la carte. Allez, boum. Le dernier petit coffre avec une carte argentée. Parfait. Nickel. Il nous en manque plus que deux, je crois. Plus que trois pour avoir la clé, deux clés sur quatre. Mais il reste quand même, tout de même 23 cartes à trouver dans tout le jeu, argentées pour faire trouver toutes les clés, quoi. Ok, la gros grenouille, hein, viens là, petite grenouille. Ah bah on arrive juste à l'étoile, justement. Voilà, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des trucs cachés sur les côtés? Ouais, coffre et du mucus. Voilà, bam. Bon, c'est du plus, hein, évidemment. Tout doucement, il faut pas toucher l'étoile, sinon on a gagné. Voilà, nickel. Boum. First try, on a trouvé toutes les étoiles ou pas? Si le défi du crack, badaboum. Le temps restant devient votre record personnel. Et on a trouvé toutes les étoiles ou pas, en fait? J'ai même pas regardé. 14 sur 14, nice. 142 points pour Gryffondor, bam. Nickel. Ah bah on arrive ici, justement, parfait. Et là, c'est quoi? Je suppose que c'est pour refaire l'épreuve, justement. Ah bah maintenant, on a tous les trucs. Ça, c'est bien, ça. On va pouvoir explorer encore plus qu'avant. La petite carte. Le Lumos, je sais pas à quoi il sert, mais il doit servir à quelque chose. Oula. Ah, Baron! Hermione m'a dit que nous trouverions de la peau de serpent d'arbre du Cap dehors, dans la serre. Suis-moi, Harry. Ok. On doit trouver dehors dans la serre des trucs. Hey, voilà, c'est bien ce que je pensais. Là, au tout début, on avait déjà essayé ce passage-là, mais on pouvait pas y aller. Et maintenant, on peut y aller. Et ça, ça fait plaisir. Le petit coffre. On a tous les sorts qu'il faut. Le petit coffre en plus. Il n'y a rien avec quoi on peut encore interagir, non? Ok, c'est que des dragées. Mais en même temps, c'est pas vraiment bien caché. Hein. On va pas dire que c'est vraiment un passage super bien caché. C'est pour ça qu'il ne donne peut-être pas grand chose. Après, les dragées, c'est très intéressant. Bon, là, je sais pas si c'est vraiment intéressant vu qu'on a déjà acheté les trucs les plus chers. À savoir. Non. Je veux pas échanger avec toi parce que tu sais, ça, tu donnes de la merde. Donc, Lumos, il a toujours pas fonctionné. C'est pas ici en tout cas. Hop, Lumos, ici. Il faut retrouver un endroit où il y a besoin du Lumos en fait. Là, c'est la porte, mais c'est pas là où on doit aller. Là non plus, j'entends un truc là. Ok, c'est là. Parfait. Qui va être le prochain à se faire pétrifier? Bah, c'est peut-être toi, hein. On sait jamais. Alors hop, ça c'est bon. Le petit coffre encore. La petite carte argentée. Mais oui, boum. Il y a une meuf là-bas. Ah bah c'est comme ça. Ah bah oui, ils arrêtent pas d'arrêter. Mais pourquoi nous on peut pas retourner le par là Où c'est le truc? Ah ouais, ok. Bah, d'accord. Bah du coup, on a besoin de ce sort-là pour atteindre ça, en fait. Donc on peut toujours pas atteindre pour le moment. Le Lumos, normalement, bah du coup, c'est bon. Là, c'est bon. Fred et Georges, est-ce que vous avez des choses pour nous, du coup, ou... Non, on a déjà tout acheté, du coup, chez vous. Très bien. Bah, on va suivre Ron. Et on va pouvoir faire le passage que je vous avais montré tout à l'heure, mais qu'on n'a pas pu faire, parce que justement, on n'avait pas le sort nécessaire. Maintenant, le sort, on l'a, donc normalement, c'est ici, donc il faut réactiver la porte, pas de problème. Oui, on connaît la cinématique, hop, on connaît déjà. Est-ce que t'as quelque chose, toi? Oh, c'est pas de chance. Ah bah oui, pas de chance, t'as déjà vendu l'article, évidemment, comme d'habitude. Alors là, il y a le petit... Voilà, donc lui, il va pouvoir nous manger les champignons pour nous donner des dragées, c'est bien. Travaille pour nous, le petit gnome. Travaille pour nous. C'est bien, mon pote, vas-y. Oui, c'est bien. Allez, maintenant, couchez la bête.
Et viens dans mes bras. Je vais te respecter un petit peu. YOLO, tout va bien. Allez, rentre là-dedans. Merci pour le petit dragé. Allez, une carte argentée de plus. On n'a besoin plus que d'une pour avoir la clé. Et après, encore 20 pour avoir deux autres clés. On est pas mal, on est pas mal. D'accord. Si la serre. Oui, oui, c'est la serre. Chaud là-dedans. Bah normal, c'est une serre. Il fait tellement chaud là-dedans, c'est une serre. Fucking genius. En fait, il dit beaucoup de la... il dit beaucoup de merde, Harry, mais là, il a raison. Est-ce qu'il y a des choses cachées là-dedans? Every day.